Alors, c'est un artiste qui est doué d'un incroyable talent. Il est même assez, comment dire, époustouflifiant, épataroufiant. Il manipule les cartes comme personne, comme très peu en tout cas. Il va nous raconter une histoire le 25 novembre. Cette histoire s'appelle Tricheur. Il nous raconte d'ailleurs l'histoire d'un tricheur. Bien foutu quand même, le titre est bien trouvé. Un tricheur qui s'appelait Richard Marcus, qui était donc un joueur de casino qui a amassé des sommes considérables, justement, en trichant, en manipulant les jetons, les cartes. Il va nous raconter cette histoire. Et je vous propose de l'accueillir maintenant. Il s'appelle Maurice Douda. Alors, donc, j'aimerais bien, moi, tu nous parles rapidement, sans dévoiler évidemment le spectacle, tu nous parles de ce monsieur qui était Richard Marcus, justement. Oui, tout à fait. Richard Marcus, bah, écoute, il a triché durant 25 ans dans les plus grands casinos du monde. Il a amassé plus de 5 millions de dollars et sans jamais se faire prendre. Voilà. Et donc, j'en ai fait un spectacle. Ouais. Enfin, on en a fait un spectacle parce que je ne suis pas tout seul là-dessus. Je travaille avec deux co-auteurs, Franz Rejas et Fabien Olicard, pour certains qu'ils connaissent peut-être, qui est un youtubeur célèbre maintenant. Voilà. Et ça dure 1h10 à peu près. Et c'est du close-up, mais scénarisé, théâtralisé. Parce que c'est vrai que François-Xavier disait que son one-man show a été nommé au Molière. C'est génial, parce qu'on commence à voir des spectacles maintenant, de l'humour au Molière, voilà, etc. Et là, on a vu de la magie au Petit Molière. Alors, les Petits Molières, c'est une cérémonie qui récompense les spectacles dans les théâtres de moins de 100 places à Paris. Voilà, puisque j'ai joué au théâtre Beau-Saint-Martin chez Dan Bolander pendant un an. T'as été primé Et aussi j'ai été nommé au Petit Molière. Et j'ai été primé, bah oui, de nombreuses fois dans le milieu de la magie. Ouais. D'accord. Donc, en fait, tu vas nous raconter l'histoire de Richard Marcus, mais tu vas l'agrémenter de tours de magie. De tours de magie, oui, Voilà. tout à fait. On De peut tours avoir un petit aperçu quand même? C'est possible ou pas? Bien sûr, ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Juste là. Et ben, Voilà, génial. Parfait. Approche-toi, c'est du close-up, c'est oui, prêt. Voilà. Je m'approche. Voilà, super. Donc, tout le monde voit bien la caméra, ça va? Parfait. Jeu de cartes, classique. Tu sais que les tricheurs manipulent les cartes en les mélangeant comme ça, d'accord, en les battant, parfois en les marquant, en les découpant. On arrive à contrôler les cartes. On va voir ce que j'arrive à contrôler juste en mélangeant comme ça. Normalement, on peut tomber sur un premier as. Ça, c'est pas mal. T'es d'accord avec moi? Regarde bien, le deuxième juste ici. Toc. Deuxième as. Troisième as. Juste là. Le quatrième, attendez pour les applaudissements, c'est juste au quatrième que normalement. Là, ça marche. Alors, Lolo, est-ce que tu peux examiner les as? Est-ce qu'il y a... Ma femme n'est pas cachée à l'intérieur, non? Ça va? Non, elle est dans la salle, donc c'est bon. Non, non, ça a l'air... Ok. T'as une préférence entre les rouges ou les noirs? Ouais, on dirait les noirs. Les noirs? Ok. Regarde bien. Je laisse les rouges dans le milieu du jeu, d'accord? Ok. Pas dessus, pas dessous. On va essayer un truc un peu comme ça. Tiens, mets ta main comme ça, juste ici. Tout le monde voit bien la main de Laurent. Approche-toi un petit peu. Voilà. On va se mettre comme ça. Tu lèves un peu. Regarde bien. Là, ici, j'ai as de pique. Ouais, as de pique, as de trèfle. On va se faire un truc comme ça. Moi, je garde l'as de trèfle. Je mets l'as de pique dans ta main. Je vais tricher lentement. Hein. Messieurs, dames, vous allez tout voir. Regarde bien. Alors, attends. Hop, je vais me mettre là. Voilà. Voilà. J'ai ici l'as de trèfle. Ici, on a l'as de pique dans la main de Laurent. Je triche lentement. Je retourne l'as de trèfle. Je l'échange contre l'as de pique. D'accord? C'est bon? On ne retourne plus les cartes, ça c'est important, regarde bien. Si je remets ici l'as de pique, à ton avis, pique est sur trèfle ou trèfle est sur pique? Hein, tu ne retournes pas les cartes pour le moment. À ton avis. Pique est dessus. Hein. Regarde, tu retournes toute ta main et tu mets comme ça sur la table, vas-y. Vas-y, retourne, retourne, retourne. Merde. Ouais, il vient de dire merde. Hein, ah désolé. Ok? Job aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que maintenant, le problème, c'est qu'on a perdu le premier as noir. Vous allez vous dire où est-ce qu'il est passé. Regarde bien, Laurent, juste ici sur la boîte, est-ce que tu peux vérifier de quel as il s'agit? L'as de pique. Génial. Maintenant, si on cherche l'as de trèfle, regarde bien. On fait juste une pichenette comme ça. Et on retrouve l'as de trèfle. Sympa. Alors,
On a le temps d'en faire un petit dernier. Ouais. Ah, ça te plaît, hein, t'aimes ça. Hein, je comprends rien du tout là. Je comprends rien du tout. On va essayer de faire un truc sympa. Je vais essayer de te créer une illusion d'optique. Prends une carte, s'il te plaît. Parce que là, tu vois, t'as un vrai jeu de Las Vegas. Tu la regardes. Tu peux la montrer à la caméra. Moi, je me retourne. Enfin, de toute façon, je vais la retrouver. Je te rassure. C'est bon. Je la récupère. Regarde bien. Je la perds quelque part dans le milieu du jeu. Je fais semblant de la perdre. Enfin non, elle est vraiment perdue. Ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas dessus et qu'elle n'est pas dessous. D'accord ? C'est bon ? Mm-hmm. Ouais ? Ok. La carte est perdue. Alors je sais que là, je n'ai pas deux perdues. J'en ai, je ne sais pas combien on est. Je laisse la carte, les cartes ici et je vais juste jouer, regarde bien, avec les quatre as. Ça va lentement, hein, ça va doucement. As de pique, as de trèfle, as de cœur et enfin as de carreau. Est-ce que tu connais le paiement sans contact ? Mmh. Eh bien, les tricheurs font exactement la même chose avec les cartes. Regarde bien. Je prends l'as de cœur comme ceci. Je passe au-dessus du jeu. Et là, ça change déjà. C'est sympa. Hein ? Là, jusque-là, on pourrait dire que c'est de la triche. Hein. Regarde, on va laisser ton 4 de pique ici. Ici, il nous reste donc 3 as. Je passe juste au-dessus comme ça. Instantanément, on a un deuxième 4 de pique. Là, c'est plus de la magie, c'est de l'illusion. Deuxième 4 de pique, le troisième. Oui, parce que tu vas en avoir 4 des 4 de pique, regarde bien. Ici, on a les as. Il suffit juste d'écarter un petit peu. Et là, on a encore un troisième 4 de pique. Quant au quatrième 4 de pique, je te rassure, hein, c'est juste là. Et il est pourtant à 50 cm. Hein. Alors, si un jour, Laurent, tu vois un magicien et te fait un tour, il n'y a que des 4 de pique comme ça, je te rassure, Laurent, c'est une illusion, puisque depuis le départ, je n'ai que 1, 2, 3 et 4 as. Hein, vraiment. Il n'y a vraiment que 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors, tu sais que on dit que des fois, les magiciens, je vais laisser les as sur la table, retrouvent les cartes sur le dessus du paquet, comme ceci, ou sur le dessous. Moi, ce n'est pas mon cas. Non. Moi, je vais essayer de les retrouver de retrouver ta carte de façon un peu plus originale. Regarde, juste en claquant des doigts, comme ça, tu te souviens, toujours sous l'étui, il y a une carte. Alors, je te rassure, en fait, ce n'est pas ta carte, ce sont les quatre as, puisqu'il y a une carte ici depuis le départ, et ça tombe bien. C'est la tienne. Voilà, donc... On pourrait passer des heures comme ça. Moi, si vous voulez, je continue, mais bon, je crois qu'il y a du monde encore derrière. Donc... Non, mais vous pourrez venir voir le 25 novembre. Moi, j'étais vraiment j'ai très attentif, très près, je n'ai rien compris du tout. C'est super énervant. Et je me souviens d'un tour que tu m'avais fait en coulisses. Tu m'as fait voler une carte du jeu. Ah oui, du jeu. Mais j'étais comme terre, ça, ouais. Et j'ai rien compris. Mais il y a ça dans le spectacle, d'ailleurs. C'est vrai, tu oui. vas le faire oui. C'est génial. Tout à fait. Ouais. Bon, il n'est pas fort. Hein ?